Alors, la dernière fois, je vous avais présenté mon plan de don qui était encore dans le sachet et qui fleurissait déjà. Alors, aujourd'hui, je vous présente donc ce plan de don que j'avais planté, ça fait déjà à ce jour environ 9 mois. OK? Et qui lui aussi commence déjà à fleurir. Vous voyez, là, on a une fleur. On a une fleur là. Et on a plusieurs autres bourgeons floraux qui sont en train de se créer. Alors, observez bien. Vous voyez ceci. Tout cela, ce sont des bourgeons floraux, n'est-ce pas, qui sont en train d'émerger. Observez, on va essayer un autre ici. Et celui-ci, d'ici peu, d'ici quelques jours, demain ou après-demain probablement, il va éclore comme celui-ci. Vous voyez, il va éclore comme celui-ci. Donc voilà, un plan de don de 9 mois. Certes, il avait déjà passé environ 6 mois dans le sachet. Et là, il a encore passé 9 mois en terre et il fleurit déjà. Alors, le don ou alors la maniguette, comme on l'appelle en français, est une épice africaine. C'est également un puissant antibiotique. Et sa principale vertu, c'est que c'est un puissant aphrodisiaque pour les hommes. OK? Donc, si vous avez votre homme à la maison qui n'est pas très performant au lit, offrez-lui un plan de don afin qu'il le plante dans votre concession. Et là, 9 mois plus tard, lorsque ce plan de don va commencer à produire les premiers fruits comme ça, votre homme pourra, n'est-ce pas, consommer de ces fruits-là et devenir plus performant sexuellement afin de vous satisfaire davantage. Vous savez, le sexe peut entraîner beaucoup de problèmes, que ce soit dans le couple ou même dans la société. Okay? Quelqu'un qui est, n'est-ce pas, insatisfait sexuellement, c'est une véritable bombe à retardement. Et j'en ai eu à parler cela dans mes précédentes vidéos. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer par cette petite vidéo, ce résultat. Parce que les gens se disent toujours que non, ce sont des trucs qui vont mettre long, ce sont des trucs qui vont faire 5 ans pour produire, 4 ans, 6 ans. Non, voilà. En quelques mois, vous avez déjà vos premiers fruits qui commencent à se former. Parce que comme je vous l'avais dit précédemment, le don est un produit qui est difficilement trouvable sur les marchés. Et bien même quand tu parviens à trouver, c'est un produit qui est assez cher, assez coûteux. Or, si tu as ton plan comme ça chez toi, de temps en temps, tu as tes fruits, tu peux même offrir à tes amis. De temps en temps, tu peux couper les feuilles là, tu fais des tisanes, des infusions et tu bois, tu te purifies l'organisme. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin des plans, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche juste là. En dehors des plans de dons, on en a une panoplie d'autres plans, des plans exotiques. Tous ces plantes là qu'on nous a longtemps voulu faire croire que ça ne pouvait pas produire en Afrique, eh bien, ça pousse en Afrique, les gars. Raisin, kiwi, framboise, myrtille et bien d'autres choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.